Blade, Tyson Asha! The battle has finished. Only the Madaruga. Voilà, avec Kensona qui remet les deux équipes à égalité. Heureusement, il nous reste les gars de tiers de la team. Et voilà, Hiru, l'anglais. Voilà, c'est la grande finale team avec les deux équipes à égalité. The war battle one fight. Voilà, c'était un test, hein, c'était un test, test les commandes. Avec Irwin Morgan qui joue contre Kaisana. Kaisana qui a le regard sérieux, le regard de l'homme qui soit content qu'une autre team ait battu Scott plus tôt dans le tournoi. Fate. Battle one. Fight. Et c'est parti. Avec. Voilà, la première chope qui passe pour l'anglais. Voilà, avec le Citus Kick, back kick. Oh, arrière-kick qui passe. B, pardon, qui passe complètement. Le Mitsu 1A, il revient. Relief, distance. West Ending Kick 3D, ça passe dans le vide. Garde une pack, contre garde une pack avec le caravan B. 1A, ça passe. Voilà, et on a égalité. Voilà, c'est parti vite, hein, ce round. Aïe, 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 le counter hit. Il met la bonne garde, il roule, on perd. Putain. Voilà, avec encore la feinte, la shot. Oh, qui passe encore largement. Voilà le tourniquet magique. Shot en B, ça passe comme on veut. Le wide standing de la mort, ça protège bien. Voilà, bien joué le Destin là-dessus là. Allez, c'est garanti, il connaît pas les mots. Voilà, il roule, tu reviens, roule partout. Pour la team Ariman. Voilà, Zorkfa, il prend le frame advantage. Attention au tech trap, il n'a pas mangé. Deux shots de Hyrule, voilà. Wild standing kick. Oh, ça whiff. De KP, joystick et mi, wild standing kick. Voilà, il recule, garde la distance. Keep the distance, il roule. Attention au tech trap, voilà, il se relève pas pour pas manger les dégâts. Crybaby power. Back kick. Allez. Ah là 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 là. Allez, Ricky va rester concentré. Kaisana qui mène 2 rounds à 1. Qui pour l'instant gère malgré tout ce match. Le Diston. Voilà, donc des shots. Il revient, il est un peu loin, ça double ouf. Mais le Relic B qui passe complètement, c'est gratuit. Pour l'instant, Kaisana qui est bien parti et qui continue sa boucherie sur la team Ariman. Perfect de Kaisana. Heureusement, voilà la meilleure talim d'aujourd'hui. La talim du moment. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
propose que vous réglez ça au bras de fer. Si il gagne au bras de fer, il gagne le match. Heureusement, je m'en peux. Hein. On remarque déjà que celui qui connaît sa config, ça met évidemment, ça laisse pas questionner en confiance. Et évidemment, en un match, tout peut arriver. Et on sait déjà que les 8000 personnes qui suivent ce match en ce moment sont derrière Freaky. Voilà, Freaky qui pour l'instant prend l'avantage de moins deux coups sur Kaysena. Kaysena qui cherche la distance, mais on voit qu'il a peur psychologiquement. Kaysena qui est atteint, qui cherche le counter. Freaky 3-3, ah, voilà, ça prend le counter. Fan de garde break raté derrière. Et il mange gros coup. Ça y est, c'est bon, il a rattrapé sa barre, c'est terminé. Stop en B. Notez que Kaysena il joue pas 80% en B. Hein. Et fini par le relique. Ah, il chope en A au bord du ring. Pour l'instant, le Kaysena qui est en train de pulvériser la team adverse, il est en train de striker et il est bien parti. La barre qui clignote chez Freaky qui cherche l'ouverture, mais c'est pas évident. Allez, Freaky, voilà. Waouh! Waouh! Est-ce que quelqu'un pourrait psychologiquement, voilà, Freaky qui dans sa stratégie montre ce qu'il s'en a pensé, qui peut prendre le dessus et qui se prépare à remonter sans doute dans ce match. Bon, on dirait pas, mais voilà, il se baisse au bon moment, ça launch. Voilà, Freaky qui se lance, la taline. Voilà. Aïe 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 aïe. Voilà, punition. Freakyson, la meilleure taline des chopes de Kaysena. Kaysena qui commence à bouffer dans le vide, il ne sait plus trop quoi faire face à tellement de... un de cadeaux, voilà, ça sert toujours. Hop, hop, hey, 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 hey. Et victoire de Kaysena. Il reste un cinéphile. Il reste... hey, il reste quelqu'un. Heureusement, c'est pas terminé pour l'instant, donc gros avantage à la team de Kaysena. Il n'y a plus personne, tout le monde pense que c'est terminé. Hein. Allez, cinéphile, c'est le moment de te... On remarque que tout le monde est parti, tout le monde pense que c'est plié et on a gardé le meilleur striker de la team. Cinéphile, la meilleure Setsuka de ce match. La meilleure Setsuka du monde qui entre en jeu. Voilà, chope David pour l'impressionner. Il mange, pour l'instant il se protège bien. Voilà, il n'y a rien derrière. Mais il s'y attend pas, c'est tout. Attention, voilà, bébé, tout de suite pour dans le destin. Voilà, le Umbrella Fight qui est reparti, voilà, avec Cinéphile pour l'instant, qui mange. Pour l'instant, les deux joueurs presque à égalité. Avec le Mitsu avant-bras, c'est pas grave.
Voilà, le quart avant B, ça passe dans la garde. Kaisana qui gère bien la distance. Sinopil qui cherche un umbrella Just Frame encore. Il a la garde. Voilà, pas le dernier au cas où. Alors Sinopil, voilà. Ah, Kaisana, bonne garde. Ah, non, faut le dire. Bon, les gars, il serait temps d'arrêter de lui faire croire qu'il peut gagner. Deschamps encore. Oh là là, ça joue très bien. Cinéphile, oh, ça a une faille. Tirate le ring boot. Allez, faut pas lâcher. Ah, il a vraiment pas de balle en plus. Voilà, Cinéphile. C'est bien, continue. Presque. C'est pas grave, tu l'as mangé. Voilà, relique B, 1-1. Il y croit, laisse tomber. Voilà. Allez, sign a fly. Aïe. Long, le vrai. Pour l'instant, Kaisana qui est en train de faire le strike on the final. On lui souhaite tout de même de gagner un match au tournoi solo. Allez, Cinéphile qui revient, Kaisana, quand même bonne garde, il faut quand même le dire, il joue bien. Allez, garde impact, et Soho, Kaisana, has won the fucking team battle. Et tout de suite, la grande finale, Kaisana Sked. Grand final, Kaisana vs Squad. Et c'est parti, Kaisana qui doit se concentrer, il peut le faire, il peut prendre un ou deux rounds. Persiste, je t'écoute. Bon, allez. Voilà, c'était en 3 matchs, double set de 3 matchs. Kaisana qui sert de loser bracket. Et c'est parti, ce match avec première des chopes. Voilà, Kaisana, ça va être un peu moins facile que contre la team Arina. Avec le 1-1 qui passe complètement, double contact pour l'instant, Kaisana qui prend l'avantage, s'il ne tombe pas dans les mêmes travers que pendant la finale Winner Bracket, il peut le faire. Attention aux arnaques. Voilà, pour l'instant, 6-6-B qui passe complètement. Kaisana qui veut son premier round, c'est psychologiquement assez important. Premier round pour Kaisana. Battle 2. Voilà, pour l'instant le public qui reste silencieux, mais Kaisana qui met pour l'instant largement la pression à Scud, voilà, il cherche la relève, la balayette, je sais qu'il est de Scud, car arrière B, ça passe,
le shoulder. Ah, la balayette, l'écrasement. Qui passe. Il cherche le tech trap et vraiment Scott qui va pas prendre ça, mais double bien joué de la part de Kaysena avec derrière, et ça c'est garanti. Et Kaysena qui revenu to distance. Pour l'instant, grosse pression de Kaysena sur Scott. Scott qui va peut-être tranquille, il sait qu'il est vivant. Il va passer un shot de shot, counter. Relever. Voilà, évidemment Scott qui revient. Pas des shots. Encore, re des shots. Incroyable le nombre de shots dans ce match. Ça joue très très bien des deux côtés. Ah, instant, Weissman Bingo, cause derrière de Scott pour revenir dans ce round, mais là, roule partout. Ça va très vite, très très vite, et ça joue bien. Scott qui commence à se réveiller de sa léthargie. Il passe la première. Kaysena qui cherche l'ouverture, il met que le premier 6-6-B. Et c'est parti, la barre qui clignote chez Kaysena. Attention, attention. Au fatal KO là. Pour l'instant, Scott qui est passé en mode full guard. Bien joué, Kaysena qui lâche le dernier. Il cherche la Delsim, ça passe dans la garde. Il esquive. Voilà, il veut juste frame qui est pris. Pour l'instant, attention. Et le Joss Rem, tout est sur le point de gagner le premier match. Avec Malek, le plus gros supporter de Kaysena. Kaysena, voilà qui se rattrape. Allez, faut pas lâcher. Ah, la canne à pêche de Paul le Pêcheur. La canne à pêche bien jouée de la part de Kaysena qui s'est bien relevé là-dessus. Mais pour l'instant, Scud qui s'est mis en marche, qui est solide sur ses coups. Kaysena, voilà, qui trouve la chope en B, une des rares chopes qui est passée encore. Sunstone Smash Chop cancel tout ça. Aïe, 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 ça c'est gratuit. Et là, Seven Suffering qui passe pour donner le premier match. Scud qui n'est qu'à deux matchs de créer, pas du tout la surprise. Rien n'est joué. Dans le marais, il peut se passer des choses. Kaysena, il peut se cacher dans la forêt, tout ça. Allez, l'honneur des samouraïs. Voilà, pour l'instant, Scott qui a bien joué avec ce Western qui sorti un petit peu de nulle part. Kaysena qui cherche les counters. Pour l'instant, ça ne réussit pas. Voilà, le launcher qui passe complètement derrière le 1A, c'est gratuit. Triple feinte qui servait à rien du tout. Il mange. Ah, il évite bien là le combo derrière le West Standing Day. Il l'a mis dans le mur. La cuillère spontanée qui passe. Ça va partir dans le mur. Avec double quoi. Ah, double cuillère spontanée. Kaysena qui est passé en mode boucher ouvert dimanche. Le bébé qui passe dans la garde. Scott qui passe derrière. La fourreuse. C'est passé. Ah, ça s'est bien protégé de la part de Scott qui voit celui, il voit tout. Et il prend le counter. Oh, Kaysena a vu une balayette. Le match peut virer, le match peut changer. Voilà, le cœur spontané qui passe. Le combo qui va passer. 1-1. Chop de dos, magnifique, encore. Kaysena qui garde le relix. Stein, chop des chops, bien joué quand de la part de Scott, cette chop. Aïe, 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 c'est bas. Ah, full crush en V, complètement cruel. Voilà, Scott qui prend tout de suite. Aïe, 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 heureusement. Kaysena qui s'en sort pas trop mal, ça aurait pu être pire. Il passe en relique. Scott qui le touche. Scott qui cherche l'ouverture. Aïe, 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 aïe. Voilà, le counter qui passe. Le caravan déchargé qui est passé, le avant à plus B qui est protégé. Scott qui a une bonne garde. Allez, Kaysena, c'est pas maintenant, il faut surtout pas lâcher. Voilà, Justin Pouf avec le caravan B derrière. C'est gratuit. La balayette qui passe, Kaysena qui est complètement le retour. Kaysena, Verona. Pour revenir à un match partout. Dans ce premier set, dans la grande finale. Voilà, chop en B. Il a la chance en B, invincible. Là, Scott qui ne fait pas l'effet faire. Qui tout de suite qui a puni. Relique, double relique. Fun chop. Kaysena is on fucking fire. Viens vous faire un bisou, c'est déchopé. Voilà. La ballerine, ça passe dans la garde. Le 1-1-B, ça passe. C'est stun, aïe aïe aïe, ça va faire mal, ça fait mal, aïe aïe. Scott qui revient à l'euro partout, les Kaysena qui doit absolument remporter ce premier match pour débriquer tout de suite. C'est les chopés. Kaysena, il cherche, voilà, ah, ça fait du bien. En entame de match, ça fait plaisir. Il cherche bien d'échauffer de la part de Kaysena. Ah, c'est bon, il mange counter. Counter, pas de tech trap. Ça mange. Voilà, les 1A qui sont tous bloqués par Scud. Voilà, bien joué là, le counter sur ce frame trap. Relique pique, il lance complètement le 1A.
La Dalsim qui passe de dos. Aïe, 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 aïe. Voilà, la Champondu qui passe. Kosovo, un match partout. Un match partout. Kessena is still in the fighting spirit. Peut-il garder ce niveau sur tous les matchs qui restent? En tout cas, le public y croit. Ah, voilà la motive. Hein. Voilà, et c'est parti de nouveau. Avec Scud qui cherche la distance. Bébé. Scott qui va rester à distance, il ne veut pas laisser Kessena s'approcher. Bien joué Kessena, garde impact. Caravabé, la bête, c'est super grosse. Le Just Frame, ça qui passe. Scott, Scott is on fire. Scott is on fire. Waouh, waouh, la roue. Il a fait une retour canapé, c'est complètement passé. Avec le... Ah, la relique B qui passe. Allez Kessena, on lâche pas l'affaire. On est forcément pour le challenger ici. Bien joué, protection. Mais d'où c'est gratuit ça? Et le quart arrière B totalement qui fait le ménage. Alors là, Scott qui commence fort, déjà un quart de barre en moins. Kessena qui va de nouveau va s'approcher. Un A, voilà, on fait le ménage. Allez, c'est bien ça, le 3B qui fait un peu mal. Allez, il cherche le counter. Kessena, qui a une garde. Kessena, par le gardien. Ah! Scud en fait, depuis tout à l'heure, il se fait sans doute de le mettre. Il a enfin réussi pour placer la chapambée qui est passée. Voilà, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu. Il prend le main game. Scud qui a bien mis sa garde là-dessus. Allez, Kessena, faut pas lâcher. Bonne déchoppe. Aïe, 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 aïe. Deux runes. Scud pour mener deux matchs 1. Voilà, le counter qui passe, ça fait toujours du bien. C'est quoi cette fin, cette trappe là? Voilà, bonne garde de Kessena, voilà, qui revient un peu dans le jeu là. Et il mange, chope de côté. C'est pas là, il évite au moins l'écrasement sulfureux. Donc tout va bien, pour l'instant. Kessena qui va, ah, le counter qui passe. Allez, avant la B, il cherche le relique kick, relique B, c'est bloqué, c'est fini. Ah là 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 là, l'écrasement sulfureux. Cette fois-ci qui touche, counter. Ah, c'est pas terminé, c'est pas terminé. Et c'est quoi là? 2-1 pour Scud. Allez, on encourage Kessena, le digne héritier de l'héritier. Battle 1, fight. Allez, c'est parti. Scud qui est en forme, qui lâche rien. Pourtant, Kessena qui doit absolument revenir. Scud qui a déjà pris demi par demi. Qu'est-ce que ça va vite? Qu'est-ce que ça va vite, Scud? Totalement. The Machine Gun Man is back. Aïe, 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 aïe. Ah, just une pique. Super, voilà, ça fait suffisamment mal. La cuillère spontanée, phase spéciale d'Alsim, qui passe, mais qu'est-ce que c'est que ça? Kessena is back. Voilà. Aïe, 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 de quel dommage. Mais il y a eu tout un d'autre, non? C'était très joli. Kessena, faut y croire, faut pas lâcher. Non, non, c'est jamais fini, tant que c'est pas fini. De l'avant-avant qui passe, la balayette qui passe complètement. Kessena qui fait la pression, qui step. Ah là 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 là, le Jeffrey qui passe dans la garde, c'est tellement gratuit, heureusement, la chauffe. Allez, Kessena qui revient, c'est bien, c'est bien. Voilà, le launcher, il fait du bien, il fait du bien. Kessena is back. Pas superbe, oh Jeffrey. Ah super, double garde impact, ça se protège, ça joue très très bien des deux côtés. Mais c'est Kessena qui mange le counter, bonne garde basse. Il cherche, voilà, bien joué, voilà, chope, déchope là de Scud, dur de le choper quand même. Ah ça va punir, en cherchant le counter. Le 1 à charger, Kevlock Stone, pas de cuir spontané. La joie de mon souffle, ça passe complètement, oh, counter, oup. Ah là 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 là. Ah, un round de la victoire, Scud, peut-être le champion de plus de plus. Allez, Kay qui est pas mort, Kay qui est pas mort, il est temps d'utiliser le 2KB. À partir de maintenant, tu as le droit de le faire. Tu peux relever les poids et jouer normalement.
C'est bien, Sky tire bien. Mais, allez, Kaysana. Voilà, il est vite, voilà. Il est vite le 3B, c'est bien, c'est bien. La chope naturellement qui passe de Scud. Mais quelle garde. Quelle garde du joueur de la vie. Dur à percer. Oh là 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 là. Et victoire de Scud. 3-1, il remporte la Blues Opus. Et le joueur fair play qui a laissé une autre team gagner. Alors Scud, un petit mot pour les 8000 personnes qui sont devant le streaming. Alors, avec Malek qui va imiter Scud pour le commentaire de ce match. Bon, bah j'ai gagné comme d'hab, voilà. Je me la pète pas trop en public, mais en vrai, je sais que c'est tous des sacs, je les bourre facile. Y a pas de problème, je suis champion du monde. Voilà, c'était donc Scud avec un commentaire final sur le Gnos River. Vous avez la gloire, bon, les t-shirts, les dos, machin, les goûts, tout ça. Bon, admettons. Mais maintenant, est-ce que vous seriez prêt à relever un challenge, relever un défi? Imaginons qu'il y a une équipe qui décide de vous défier. Je sais pas, c'est des gens au hasard comme ça. Là c'est chaud là. Là c'est chaud. T'es paillaté là. Alors qu'est-ce qu'on fait, meuf, c'est quoi le plan? On verra. Il est serein, MF. Il en a vu d'autres. Alors, par contre le combo c'est 3B, 2, 3, 6, B. 3B, 6, 6, B, sinon la Tsubasa si tu veux. Moi je vois que ça se fit dessus en face déjà.
drogue. C'est qui mon gars? Ah ça mon gars. Ah ça mon gars. Zappi contre Marc Nikil. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Tu as gagné, tu as gagné, tu es championne, le Glue Style River Team, c'est Team Chio, t'as gagné. Là, c'est pour le dossier, là. Là, c'est bien plus important que Théo, tes machins, tes coupes et tout. Non, non, Théo sont là, t'inquiète pas. Allez, Marc. Allez, Marc, c'est qui, allez, on y va. Hop, hop. Voilà, il est présent, il a passé les poules. Attention, attention. Oh! Allez Marc! Mais oui, depuis le 1, c'est son perso. Il jouera Pyra après, sans doute, on sait pas encore. Voilà, ta, voilà, bam bam, hop! Ya, hop! Oh oui! Oh! Marc Nikil! Ovation pour Marc Nikil! Marc Nikil, allez, allez, c'est parti! Oh oui! Invisible, c'est invisible! Oh oui! Oh! 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 Allez Marc! Allez Marc! Allez Marc! Oh! Par Marc Nikil! Parfait de Marc Nikil! Allez Marc! Allez Marc, c'est parti, c'est parti! Voilà! Oh oui! Oh le jeu à l'ortienne! Oh oui, ça passe! Je vais pas, carotte! Oh! Oh! Victoire de Marc Nikil! Only the victor may proceed onward. Marc! Marc! C'est Panda. Allez hop, 1-0 pour la team Doom. On enchaîne. Eh Chio, elle fait moins la maline là. Là on n'entend plus, là, y a plus. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Oh, il y a un brainstorming là. Là c'est chaud là. Ah ouais, ils sondent. Calas, Calas, Jury, ils sont là. Non les gars, attendez, c'est Marc Nikil quand même, moi j'y vais pas. C'est chaud, c'est chaud. Imagine, je perds, c'est sur YouTube. Oh, Chio, elle y va. Oh, on voit qui c'est qui a des couilles dans cette équipe, j'ai envie de dire, quoi, quand même. Bon, allez. T'es dedans, toi, non? Voilà, voilà, voilà. Alors, un petit mot, tu veux soutenir ton équipe qui perd 1-0 actuellement? Non, c'est bon, c'est pas mon équipe, moi, je suis tout seul. Oh là là. Marc, montre à Dan, comment on fait. Montre-lui qui c'est le leader dans la famille un petit peu, le mec. Voilà, c'est ça. Marc, il sait même plus comment on joue, il sait plus comment on config tout ça, il connaît. Oh, il connaît pas tout ça, lui. Juste, il... Ben, Cassandra Chio, hein. Allez, allez! Allez, Marc! Allez, Marc! Oui, t'inquiète, MF. Allez, MF. Allez, MF. Vas-y. Conseil, MF, conseil, conseil. Pas de conseil. Battle one. Fight. Voilà, il s'en fout. Y a pas de prio. On va réinventer le jeu. Nous, la prime d'attaque, tout ça. Hop là. Pas là. Pas grave, c'est pas grave. Pas grave. Allez, Marc. À l'ancienne, à l'ancienne. 2, 3, 6, encore.
C'est pas grave. Pas grave. Allez, Marc. Allez, Marc, c'est bon, c'est Marc. C'est parti. Oh oui, oh oui. Allez, hop, demi-barre. On n'a pas commencé encore. Ah oui. Ça marche, c'est ça. C'est ça. Pas besoin, pas besoin. Et là maintenant, c'est là que ça se passe. Oh. 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 Un jet de Marc ici. Voilà. Marc, il voit le futur. Il voit le futur, Marc. Il n'y a pas de problème. Oh. Oh. Ah, dommage. Allez, hop, tape. Allez, allez, allez. Voilà, il laisse pas respirer. Oh ouais. Oh. Un back-kick de merde. Un back-kick. Ouais. Oh. Y'a pas de prio ici. Allez, allez. Allez, Marc. C'est ça. Oh. Non, mais c'est bon. T'inquiète. Oh. C'est pas grave, Marc. Elle t'a fait une arnaque. Non, c'est rien. Oh. Oh. C'est pas grave. Oh. Non. Ah. Bérangère. Bah oui. Mais oui, allez. Mais c'est bon, donc c'est une idéale, ça, parfait. Allez. Bon, pas mal. Vous avez battu Marc. C'est bien. Mais là, par contre, là, maintenant, ça rigole plus, là. Là, les gars, j'aime autant vous dire que pour ceux qui connaissent pas bien Soul, ça va être technique, là. Là. Un genre bizarre, non, hein. Vérifie que t'as mis ta config. Là c'est chaud là. Oh oui, allez. Là on y va là. Attention. La garde. C'est croix. Tu maintiens ça, après tu... Battle 2. Vas-y, c'est bon. Voilà. Attends, bon. La garde. Bloc. Voilà. T'inquiète. C'est pas fini. Allez. Non. Bien joué. Soit moi, soit toi. Abraham! J'y vais. Abraham, ta mère! Là, c'est chaud, là. C'est maintenant que ça commence. Qu'est-ce que...
Voilà, c'est ça. C'est bon, on finit. Ça me lance. The heroes finally meet. Allez, c'est bon là. Voilà. Oh, voilà. C'est pas grave. Voilà. Oh. Non, il faut pas faire ça. Oh. Oh oui. Oh. La garde. Oh oui, elle rate. Elle stresse. Oh. Oh. Allez, hop. On y va. Oh, pas grave. Voilà. Voilà. Allez, tranquille. Voilà. Un round, c'est rien du tout. Allez. Voilà! Mind game, c'est tout, c'est normal! Allez, c'est pas grave! Voilà! Non! Allez! Oh merde! Final battle. Allez! Non! Aïe! Allez! Qu'est-ce qu'il y a là? Pas grave. Qu'est-ce qui se passe là? C'est pas fini! Ah! La suite du match le plus important après une prestation d'Abraham pharaonique. Avec Malek, je vous rappelle que t'as la retraite de Sucalibur, il n'a pas joué depuis longtemps. Donc s'il gagne, c'est la honte pour Chio. Voilà. Watched over by the... Battle 1, fight! Malek qui mange le premier 3-3B, le Karavantik, Just Kikimi, lâche un pour un! Malek qui a lui son petit pitié, Uska qui a le cœur! Oh! Malek qui mange tout! Malek qui est en train de se prendre une Abraham! Le 3B, 2-2B! Oh! Battle 2, fight!
c'était une counter Abraham. Heureusement qu'il reste la scud. Avec une passe à la deux dans la live, lâche un peu mieux. Et il n'a pas le temps mal, là il se réveille, il a plus de pitié, il a assez rigolé, il rigole plus du tout, et il écrase la soumission de Schumacher Cooper. Malek is back. Voilà, et c'est parti, Malek qui revient en force, qui laisse pas rien passer là, après un premier round en difficulté. Malek encore, le counter qui passe, c'est protégé. Waouh, double parfait. Mais non, si, a pensé que c'était le bouton check, mais ça a commencé là. Et c'est parti. Vengeant. Shio. Shio, difficulté, Shio. Oh. Ah, c'est dur pour Shio. C'est pas terminé, bien joué après le stun de DB plus 4. Shio is back. Shio qui l'échappe sans problème. Et bébé. Après quelques prestations époustouflantes, Shio sort. Bye. Autant me balayer dans un même round. Ou même 3B, quoi. Un match immonde entre la vie de Kalas et la vie de Malek. Dark Slayer 2, j'ai entendu. Voilà, avec un match passionnant, les deux joueurs qui se regardent dans le blanc des yeux, à distance, Malek qui prend le guard crush. Qu'est-ce que c'est que là ? Avec Ivy qui flash un launcher. Avec des... Oh voilà, voilà Kalas. La best Ivy du round. Et la coup de la canne à pêche, non. Il va prendre le 3B, il cherche tout de suite sa punie. Le 9B là-dessus. Malek qui remonte tout doucement dans ce match, il est en difficulté. Malek. Qu'est-ce que c'était là? Qu'est-ce que... Après un match aussi pharaonique qu'Abraham Fiou, vous êtes heureux de faire ça. On revient du groove. Get out of my seat! Go! Yeah!
Battle 3, fight! Ah, c'est chaud pour moi. Ah, peut-être commenter la fin, ça vaut le coup, ça devient presque passionnant. Avec la vie de Malek en difficulté, il prend counter. Ah, c'est le dossier là, Shimalek qui perd. Que full dossier. Full dossier sur YouTube, Twitter, Facebook de Kevin, lol, Malek, tu connais pas Ivy. La barre de Malek qui clignote. C'est pas terminé, Malek. Malek n'a pas craqué. C'est ça la force de champion. On laisse croire à son adversaire qui peut le faire. Et... voilà. Victory belongs to the last one standing. Alors le match du charisme avec Malek qui joue donc Ivy contre Yomitsu Kaisana, le finaliste d'aujourd'hui, et ça commence, on se regarde le bord dans les yeux, voilà. Thank you.
Il y a eu des chocs. Ah, t'es passé près quand même, hein. T'es passé près du dossier. The hero. Battle 1. Fight. Malak là, c'est super là. The Guts. Battle 1. Fight. Alors encore un match passionnant, Mitsu Ivy, mais cette fois-ci c'est Malek, le quart qui passe. Scott, la balayette qui passe dans le pressing de Kaysana. Kaysana encore qui ramasse encore balayette, écrasement furieux. Ça passe complètement. Là Ivy, ça whiff dans le vide, le quart arrière. Ça passe, Destin de Kaysana qui est en difficulté. Oh, il lâche le deuxième. La Delsim qui passe dans le vide, tout de suite le quart arrière, qui passe complètement. Là Ivy. Bah oui, il crache du coup, quoi. Bah il crache du coup, quoi. Oh là là, Kaysana, psychologiquement. Et oui, il s'est dit, jamais je pourrais égaler le Mitsu d'Abraham. Il essaie de répéter le combo d'Abraham, mais il comprend pas tout. Et forcément, Malek en profite pour gagner le premier round. Et Malek qui garde la distance. Aïe, 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 bon de stun là-dessus. Le Just Ram glissé qui passe dans le vide, le counter qui est pris par Malek à arrière direct. Ça passe complètement, avantage à la barre. Et bon Mitsu, la barre qui clignote quand même, Davy presque en tout cas. Voilà, il cherche pas le... C'est un promo tech trap. La barre qui clignote chez Malek, mais c'est pas grave parce qu'il prend le deuxième round. Malek est en train de décimer la team, pourtant grande team finaliste et vainqueur d'aujourd'hui. Just Kimi. Carrière, balayette, carrière. Malek! Malek is in the place! Et oui, Kaysana qui essaye d'analyser mais qui a ouvert son vocabulaire. Ouais, là, c'est chaud. C'est chaud le dossier là quand même. Hein. Et Malek qui prend le match! Malek! Eh, on aimerait bien voir Saito quand même, hein. Et le pilier, le grand pilier, le gardien. Ce qui est bien, c'est comme ça, si il y a une jurisprudence. S'il gagne, il gagne, s'il perd, c'est normal, c'est fait. Merci, je dédicace le match, et peut-être le dernier match, et on aurait la Malek team qui battrait la team de Fio.
peut-être le dernier match. On encourage Jiré, on va voir Saito. Voilà, Jiré, c'est un grand monsieur. Et une. Et deux. Oh là là, ouh. Ah, il s'y attend. Ah voilà. Oh, Oudine avec la CS, Just Frame qui passe pour Malek. Il a rattrapé la barre de lui effectivement. Et il va pouvoir finir avec Malek qui déchoppe. Malek qui chope des... Ça fait le combat des chopes quoi. Il est passé en mode Sam viré là. Et Malek qui va sans doute chercher une... Oh, oh là là. Oh le monstre. Et il mange le 1 kick counter hit. Battle 2, fight. Non, ça c'est pour Mix. Wouah! Dans le step anti-step, la CS qui passe complètement. Il cherche le tech 3, ah, il déchoppe. Jiré qui déchoppe, il en a marre de manger deux CS. Il fait déjà deux CS dans le match. Et pourtant, Malek, là, il oublie la déchoppe en B. Il continue à manger. Bon, Jiré qui cherche l'ouverture. Et voilà. Wouah! Il essaye tous les setups. Avec Malek qui est en mode training. Et il essaye des setups de CS. Et en plus, il rate. Battle 3, fight. Wouah! Wouah! Triple fin trien. Wouah la magie! Et Jiré qui profite des erreurs de son adversaire. Il n'y a pas de... C'est pas bien ça, ça respecte pas. Hein. Ça reste... Avec encore CS qui lif, Jiré qui en profite pour revenir. Ah, oh, il a frappé la faute de la CS. Victoire de Malek. Thank you.